Salutations tout le monde. On s'était quitté la dernière fois sur les prémices de la révolution. La marmite bout et va déborder. Voyons aujourd'hui quelle fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. À la fin de la dernière vidéo, on avait évoqué la convocation des états généraux pour régler l'épineuse question de l'impôt. Précisons dès maintenant ce que c'est. Il s'agit d'une assemblée qui regroupe des représentants des trois ordres dont on a parlé précédemment. Cette assemblée, convoquée par le roi, vise à le conseiller sur des points importants. Vous noterez qu'une fois encore, on a une preuve que nous ne sommes pas dans une tyrannie abjecte, puisque si tel était le cas, l'existence même des états généraux serait difficilement concevable. Ils sont convoqués à l'été 1788 pour le 5 mai 1789. En ce temps-là, cela faisait environ 175 ans qu'ils ne s'étaient pas réunis, et donc c'était une première depuis 1614, signe d'une distance entre le roi et ses sujets. Surgit alors un problème. La convocation s'effectue sur un malentendu. En effet, le roi est persuadé que l'on va discuter fiscalité. Cependant, les participants espèrent parler de bien plus que cela. Ils rédigent ce que l'on appelle des cahiers de doléances. Autrement dit, ils adressent au roi des listes de demandes, de critiques, de plaintes. Par exemple, le pain devenait cher, donc on pouvait le faire remarquer sur le cahier. Il ressort tout de même que, globalement, on reste attaché à la personne du roi. Mais ce que l'on souhaite, c'est une égalité fiscale et juridique. Mieux encore, on veut supprimer purement et simplement cette société d'ordre, de caste, jugée comme étant le support de cette discrimination. Le but est de réorganiser la société. Aux états généraux sont présents plus d'un millier de représentants. Puisqu'à un moment donné, il va falloir voter, on se demande alors selon quelle modalité. Le tiers-état est bien plus représenté que les deux autres ordres, et c'est une donnée importante. Il est majoritaire au point de peser autant, numériquement parlant, environ, que les deux autres ordres réunis. Et du coup, la noblesse et le clergé souhaitent voter par ordre, donc une voix pour chaque ordre, tandis que le tiers-état veut voter par tête, c'est-à-dire une personne égale une voix. Avec la première approche, sous réserve de s'accorder, eh bien on peut imaginer sans problème une alliance noblesse-clergé pour contrer le tiers-état. Et fort logiquement, on peut imaginer qu'avec l'autre approche, le tiers-état est en mesure de remporter n'importe quel vote. C'est donc un véritable casse-tête qui s'offre au ministre Necker, casse-tête qui va retarder les travaux des états généraux. Le soir du 5 mai 1789, le vote par ordre est retenu. Du coup, le lendemain, il est prévu que chaque ordre se réunisse chacun dans son coin, dans une salle qui lui est attitrée. Le tiers-état sent alors le coup fourré et se doute que ses prétentions seront écartées. C'est pourquoi il refuse de se constituer en tant qu'ordre. La tension monte d'un cran. Là, le tiers-état s'auto-baptise « commune » au pluriel, référence à la monarchie constitutionnelle anglaise, beaucoup plus modérée, et vue comme un modèle pour les partisans d'une réforme du système. Là, il demeure dans l'immobilisme. Ils invitent les autres membres des états généraux à les rejoindre, de sorte à former une seule et unique assemblée. Un homme se détache, l'abbé Sieyès. C'est un homme d'église qui a préféré siéger parmi le tiers-état. Retenez son nom car on va souvent le retrouver et vous verrez sans problème qu'il préférait bien plus le costume d'élu que la soutane. Il a notamment préparé les états généraux en consacrant un ouvrage au tiers-état, ouvrage beaucoup lu et intitulé « Qu'est-ce que le tiers-état ?». On peut y lire notamment « Qu'est-ce que le tiers-état ?» Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien.
que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. Le 17 juin, les députés des communes, ainsi que des gens ralliés à leur cause, décident de prendre le nom d'Assemblée nationale, en vue de représenter la volonté nationale. Voici le premier acte révolutionnaire, c'est la révolution politique. Pour Madame de Staël, auteure libérale du 19e siècle et fille de Necker, cet événement est un tournant majeur, car, premièrement, la souveraineté passe des mains du roi pour être transférée à la nation, entité juridique abstraite, distincte des individus qui la composent, à l'instar d'une personne morale. Deuxièmement, en se considérant Assemblée nationale, les membres du tiers-état, plus les ralliés venant d'autres horizons, forment une cohésion qui dépasse le système de société d'ordre. Le 19 juin, le roi réagit et opte pour la fermeté en faisant fermer la salle où se trouve l'Assemblée. C'est donc une porte close que trouvent les membres de l'Assemblée nationale le matin du 20 juin, soi-disant pour les préparatifs d'une séance royale. Plan B, du coup, ils décident d'investir la salle dite du jeu de paume. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport assez simple et très ancien que l'on pourrait résumer comme étant une sorte de tennis avec pour raquette la main, la paume. Personnellement, j'y jouais en CM2 à l'école dans une version un peu revue. Bref, revenons en salle. Bailly, alors doyen de l'Assemblée nationale, confirme les avancées du 17 juin et prête serment avec les autres députés de ne jamais se séparer tant que la Constitution ne serait pas affermie sur des fondements solides et de se réunir partout où les circonstances l'exigeraient. Le 23 juin, face à cette proclamation, le roi commence à prendre feu et poursuit l'intimidation. La tension monte d'un gros cran puisqu'il masse des troupes autour de Versailles. Il ne reconnaît pas cette assemblée prétendument nationale. En somme, une vaste farce qui n'est pas crédible. Bah oui, ce n'est pas une bande d'Olibrius qui va bouleverser des siècles et des siècles de monarchie. En face, l'Assemblée nationale tient ferme en se déclarant inviolable. Le mouvement prend de l'ampleur avec le ralliement de nobles et d'une large part du clergé. Face à tout cela, le roi finit par capituler. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale se proclame Assemblée nationale constituante. La souveraineté est bien transférée à la nation qu'il exerce par le biais de ses représentants, par l'intermédiaire de l'Assemblée qui est son organe représentatif. Il n'y a ainsi plus d'histoire de dynastie, le roi règne par la volonté générale, par la volonté de la nation. J'en connais un qui n'avait pas vu venir tranquillement assis sur son trône quelques semaines plus tôt. Le mois de juillet sera le mois de l'explosion de la contestation en s'étendant de manière beaucoup plus large au peuple. C'est ainsi qu'il s'empare, un certain 14 juillet, de la Bastille, lieu hautement symbolique puisque c'était là qu'étaient emprisonnées les personnes arrêtées par lettre de cachet. Ces fameux ordres écrits d'arrestation émanant directement du roi. La population, enragée, veut ainsi faire chuter ce symbole de l'arbitraire d'ancien régime. Lors de la deuxième quinzaine de juillet, ce mouvement, d'abord très parisien, s'étend aux campagnes françaises qui prennent le relais. C'est la grande peur. La révolte n'est ainsi plus un phénomène purement citadin. Le pays entier s'embrase. C'est le chaos comme jamais auparavant. Dans ce contexte, des hommes vont garder leur sang-froid et se distinguer. Le vicomte de Noailles et le duc d'Aiguillon, seconde plus grosse fortune du royaume, derrière le roi. Ils vont impulser la célèbre nuit du 4 août 1789 qui marqua l'abolition des privilèges. En effet, ils vont eux-mêmes se départir de leurs propres privilèges et inciter les autres nobles à en faire autant pour ainsi briser le système par ordre. Un texte naît le 11 août 1789 à l'issue de la rédaction de plusieurs décrets et prend acte de cet abandon de privilèges. Avec ce texte, l'Assemblée nationale vient ainsi entièrement détruire le système féodal
et vient ainsi poser le principe de l'égalité devant l'impôt, soit la suppression des privilèges pécuniaires. Au cours de l'été, on bâtit petit à petit ce que sera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et on établit des droits fondamentaux. On a pu dire que c'est en quelque sorte l'acte de décès de l'ancien régime. Déjà, on va affirmer que l'homme possède dès sa naissance des droits fondamentaux jugés naturels. Il les possède de par sa seule condition humaine, sans que cela soit conditionné à l'existence d'une société politique, à une loi, et doivent donc s'imposer ces droits à l'État, ce qui rappelle la doctrine du droit naturel. Ces droits sont inaliénables, en gros, on ne peut les retirer. Imprescriptibles, ils ne disparaissent pas avec l'écoulement du temps, universels, car ils concernent chaque être humain, et ils sont sacrés, à savoir très importants. Les droits de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression et l'égalité. Parmi ces droits fondamentaux, seulement certains sont considérés comme des droits naturels. La liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression, la propriété. L'égalité, par exemple, n'est pas un droit naturel. Du coup, par déduction, il faut comprendre ici qu'il faut que l'État, par le biais d'une loi, reconnaisse l'égalité, qu'il la consacre. Pour la liberté, on voit l'influence de Montesquieu et de l'abbé Sieyès. C'est le premier des droits de l'homme, car les trois autres droits, donc la sûreté, la résistance à l'oppression et la propriété, ne sont que des prolongements de la liberté. On veut essentiellement protéger contre l'arbitraire. Faut comprendre que, à cette époque, on est assez imprégné par le système de l'ancien régime. Ce sont les articles 4 et 5 qui donnent une définition abstraite de la liberté. Être libre, c'est ne pas être empêché d'agir selon les buts qu'on s'est choisis et ne pas subir de contraintes. La propriété, elle, s'inspire de John Locke. C'est une condition et une garantie de la liberté, car l'homme est propriétaire de son corps et également de son travail, ce qui amène à la liberté d'entreprendre et donc de propriété. La sûreté assure la protection de la liberté individuelle face aux tribunaux répressifs. C'est donc une réponse directe à l'arbitraire d'ancien régime. La notion de sûreté est largement inspirée du philosophe Beccaria. C'est le philosophe qui fonde notre droit pénal moderne. Prenons par exemple le principe de la légalité des délits et des peines. Une loi doit avoir prévu un délit ou une peine. Ça ne peut pas être sorti du chapeau comme ça sur le vif. Il y a également la présomption d'innocence et la non-rétroactivité des lois. La résistance à l'oppression est inspirée de John Locke. C'est la nation qui est souveraine et ne fait que déléguer sa souveraineté à ses représentants, qui ont un mandat. Cette délégation étant temporaire, elle n'est pas définitive. Si le gouvernement institué pour garantir les libertés contrevient à ses obligations, alors la nation peut reprendre sa délégation et former un nouveau pacte de gouvernement. Concernant l'égalité juridique ou civile, là, c'est une déclaration solennelle de rejet des privilèges. Cette égalité prévoit une égalité de traitement juridique. Les hommes sont égaux en droit, mais pas socialement. On veut aussi, dans l'accès aux emplois de la fonction publique, privilégier le talent à la condition de naissance. Donc c'est plutôt méritocratique. Surtout, on prévoit une égalité devant l'impôt. La DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pose ainsi les fondements du régime à venir. La souveraineté de la nation, le système représentatif, la sacralisation de la loi et la séparation des pouvoirs. On accorde aussi une place centrale à la loi. Fini l'époque du bon plaisir du roi. La définition de la loi, donnée par la Déclaration, est empruntée à Rousseau. La loi est l'expression de la volonté générale. On met en place la fameuse séparation des pouvoirs. L'exécutif, c'est le roi, qui doit impérativement être contrôlé par le législatif. L'exécutif doit en être réduit à la simple exécution des lois, établies uniquement par le pouvoir législatif, et la violation de ces lois doit à son tour être sanctionnée par un pouvoir judiciaire, lui-même distinct des deux autres. La DDHC est finalisée le 26 août.
bien qu'éminemment riche en avancées juridiques, ce n'est pas non plus un texte des plus progressistes. Il n'y a par exemple pas de mention spécifique aux femmes, d'où, en réaction, la rédaction, à titre d'exemple, par Olympe de Gouges, d'une déclaration analogue en faveur des femmes. L'élaboration de la Constitution en elle-même dure 2 ans. Le texte final est voté le 3 septembre 1791. Il est présenté et accepté par le roi le 14 et la DDHC est placée en tête de cette Constitution. L'Assemblée nationale constituante, ayant achevé son travail, est ensuite dissoute. Plus besoin qu'elle soit constituante. La Constitution rentre en vigueur le 1er octobre. Mais alors, comment se fait-il que le roi accepte le bouleversement de l'ordre qui était établi depuis des siècles? C'est vrai, quand on y repense, il n'était pas bien favorable à ce qui s'était passé dans la salle du jeu de paume, etc., etc. Eh bien, la raison, c'est sa célèbre fuite, où le roi tenta de filer en douce, mais fut intercepté à Varennes. L'Assemblée nationale constituante s'était sentie trahie, l'a alors démis de ses fonctions et lui a mis la pression, d'où sa docilité. Dans la Constitution, on y consacre une souveraineté qui est nationale. Le roi est entièrement soumis à la loi, et sa légitimité lui vient de la nation. Est mis en place un système représentatif qui suppose l'interdiction du mandat impératif et de la souveraineté royale. Le mandat impératif consiste en le fait que le député élu ne vote pas pour la nation tout entière, alors que le mandat représentatif prévoit que chaque représentant est le représentant de la nation tout entière, et non de ceux qui l'ont désigné. Et puisque la source de cette souveraineté se trouve en la nation, la question du suffrage est donc un enjeu considérable. Il s'agit de savoir si tous les citoyens vont concourir à former la volonté générale. L'abbé Sieyès a joué un rôle important et c'est sa pensée qui sera reprise. Il considère qu'élire est une fonction sociale, que ce n'est pas un droit. Pour lui, l'essentiel, c'est que la fonction soit bien assurée. Pour que cette fonction soit bien remplie, il considère que certains sont plus aptes que d'autres à discerner l'intérêt général. Mais, problème, l'article 6 de la DDHC prévoit que tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la fonction de la loi, donc le fait de faire la loi. La solution de compromis est donc que la Constitution considère que tous les Français, en fait tous les hommes en âge, sont citoyens, mais que tous ne peuvent pas élire ou être représentants. Il y a alors 2 catégories de citoyens, les citoyens actifs et les citoyens passifs. Les actifs sont les citoyens masculins qui votent, ce qui exclut les femmes, les enfants et les étrangers. Ça rappelle au passage la citoyenneté telle qu'elle était conçue à Athènes avec la distinction entre citoyen et métèque. Est ainsi mis en place un suffrage indirect et restreint. Pour restreindre l'électorat, on va étudier la capacité du citoyen à payer le cens, soit 3 journées de travail. Si tel est le cas, hop, la personne appartient au corps électoral. D'ailleurs, la capacité contributive exigée variait selon la commune de résidence et il fallait être âgé d'au moins 25 ans. Au final, on estime à 50 000 le nombre de citoyens actifs, donc d'électeurs. A noter qu'il n'y avait pas autant d'exigences qui se superposaient pour être élu, si ce n'est d'être électeur au préalable. Tout ceci est un peu surprenant, car 2 ans à peine après la fin de la société d'ordre, eh bien on rétablit une sorte de distinction au sein des citoyens. Mais c'est une lecture partielle. Il faut aussi tenir compte du fait que l'on a quand même beaucoup progressé en la matière, là où quelques années auparavant le citoyen est vu comme un banal sujet du roi. L'idée avec le suffrage censitaire, c'est de considérer qu'une personne capable de payer le cens est une personne douée d'un plus grand discernement. Surtout, la personne avait économiquement intérêt à ce que la chose publique soit bien gérée. Revenons maintenant à nos 3 pouvoirs. Le corps législatif est formé d'une assemblée unique, permanente
et indépendante. Est ainsi rejetée l'idée d'un bicamérisme ou bicaméralisme, c'est-à-dire le fait que le Parlement soit composé de deux chambres. On choisit ainsi le monocaméralisme, car la nation est une et indivisible. Par conséquent, son assemblée de représentants ne peut pas être divisible. Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale constituante, émerge une assemblée représentative qui est élue pour 2 ans. La législature est donc très courte pour éviter la corruption. L'Assemblée propose des lois, les adopte, et le roi les fait exécuter. Le roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre en considération un objet. Pour la fonction exécutive, la Constitution affirme que le roi la détient. Il est en théorie le chef de l'armée, de la diplomatie et de l'administration. Il prête serment, mais n'est plus sacré roi. En réalité, son autorité est très limitée, car le roi ne possède pas de pouvoir réglementaire, donc d'adopter des règlements, de prendre des mesures. Au final, la nouvelle assemblée est divisée et n'a pas réellement de chef dans son enceinte. Très vite, elle ne sera plus le centre de la vie politique, mais ce seront les clubs où se rassemblent penseurs et notables. Les clubs sont des lieux de rencontre et d'expression politique. Ils sont les instruments dont disposent les citoyens pour fonder leurs opinions et diffuser leurs idées. En secret, Louis XVI et la cour espèrent une guerre des monarchies voisines contre la France nouvelle. Ils attendent de cette guerre qu'elle détruise cette révolution et qu'elle vienne rétablir le régime politique ancien, et ainsi délivrer le roi de sa prison dorée. En effet, de nombreux contre-révolutionnaires, des personnes contre la révolution, ont fui la France et migré vers les monarchies voisines. Il faut aussi comprendre qu'à l'instar de la maladie, les puissances étrangères voisines sont apeurées face à une possible contagion du mouvement révolutionnaire, qu'elles voient comme une menace majeure. À l'époque, en Europe, la France fait figure d'exception au milieu de ses régimes monarchiques, d'autant que son poids a toujours été important dans le monde. Ces émigrés joueront un rôle politique considérable, notamment le frère du roi, le comte de Provence, qui rassemble des troupes en Rhénanie. Le 20 avril 1792, quelques mois après les tout premiers pas de la Constitution, l'Assemblée déclare, par exemple, la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, en gros à l'Autriche. Les revers militaires et les menaces de l'étranger entraînent la chute de la monarchie le 10 août. Ces conflits débouchent sur l'entrée en scène d'une force populaire active, une force armée issue de la population. On entame alors un nouvel acte révolutionnaire. Mais la suite, ça, ce sera pour une prochaine fois. Cette vidéo est désormais terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à l'aimer pour me soutenir et que je gagne en visibilité. N'hésitez pas aussi à apporter vos remarques et compléments. On se retrouve, quoi qu'il en soit, pour la prochaine vidéo sur la Convention. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.